Salifta Diouf, quand il faut parler et convoquer l'histoire de cet homme, c'est celui-là qui a fait tous les secteurs. D'abord, il était au sud, au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau, aux côtés de César Badiate. Après, il a eu justement des problèmes entre lui et César. Il a eu à migrer. C'est lui qui a créé justement le front nord, comme on l'appelle. Donc, le département de Dignonna était épargné justement de camps de rebelles, surtout dans le nord Sénégal. Et c'est Salifta Diouf qui est parvenu justement à y aller et à y installer justement donc des camps rebelles. Et voilà, donc la zone est devenue par le temps une zone de non-droit. Aujourd'hui, avec sa disparition, connaissant justement ses stratégies, connaissant également parlant, les gens ont beaucoup parlé justement de son engagement, de son courage. Aujourd'hui, c'est une grosse perte pour le MFDC. Et voilà, donc comme le chef militaire sénégalais l'avait dit, il disait que le MFDC est voué à une mort qui peut être lente mais certaine. Et voilà, donc avec la mort de Salifta Diouf, il faut comprendre que cette mort qui sera très précipitée. Ça, c'est donc selon la compréhension que nous avons, nous qui sommes dans la région et qui connaissons un peu la marche du MFDC. Aïcha. Alors, Amadi Khalil Diémé, faudrait le préciser, sinon se demander la question de savoir si sa mort ne va pas un peu impacter sur le processus de paix. Oui, il y en a d'autres qui disent que c'est de bon augure, c'est une bonne chose, justement, la disparition de Salifta Diouf pour le processus de paix. Qu'est-ce que, justement, le MFDC va apporter comme donc stratégie pour pallier à la disparition de son chef rebelle? Ce sont les questions, ce sont parmi les questions que se posent, justement, les spécialistes de cette question casamantaise. Mais d'autres ont affirmé, tout simplement, que cette mort va précipiter, justement, le retour de la paix définitive dans cette partie de la Casamance, dans cette partie du Sénégal. Donc, c'est beaucoup qui se disent fatigués par cette situation de crise que la région a connue depuis 1992 et qui perdure en centrant des conséquences atroces. Aïcha. Amadi Khalil Diémé, que je peine à entendre, mais l'essentiel a été dit, c'est-à-dire la confirmation du décès du chef rebelle Salif Sadio. Sinon, essayez de revenir sur les circonstances de ce décès. Nous y reviendrons certainement avec notre correspondant Amadi Khalil Diémé depuis Chikancho.